Cécile est avec nous pour nous parler d'un séminaire des rêveuses entrepreneuses qui va avoir lieu, non pas ce week-end, mais le 5 et le 6 décembre au Palais des Congrès de la Grande Motte. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce séminaire des rêveuses entrepreneuses. Alors, qu'est-ce à quoi ce séminaire ? Eh bien, bonjour, merci. Ce séminaire, c'est un rendez-vous pour des femmes entrepreneuses. Et pourquoi rêveuses entrepreneuses ? Ce sont des femmes qui rêvent de contribuer à un monde meilleur et de vivre leur meilleure vie et qui entreprennent pour réaliser leurs rêves. Donc, nous sommes toutes des entrepreneuses et là, on se réunit pour s'entraider à garder la motivation d'aller jusqu'au bout de nos rêves. Alors, c'est la première fois que tu organises un tel séminaire ou c'est déjà dans la récurrence ? Alors, c'est la deuxième session. L'année dernière, on a organisé en fait cette première rencontre suite à la création du club des rêveuses entrepreneuses, puisqu'à la base, c'est un club. Et dans ce club, en fait, on a eu l'envie de se rencontrer en vrai avec toutes les femmes qui étaient dans toute la France, voire même à l'international. Donc, on a organisé un premier séminaire en décembre l'année dernière qui a été tellement génial et on a tellement adoré qu'on s'est dit, allez hop, on recommence toutes les années et c'est reparti cette année pour la deuxième session. L'année dernière, c'était à Lyon. Cette année, c'est à Montpellier, puisque moi-même, j'habite à Montpellier, et donc je suis ravie de pouvoir inviter toutes ces femmes à venir découvrir aussi notre belle région. Alors, je vois que tu es raccord avec la thématique et la couleur de l'affiche, oui, hein, puisque tout, oui. Tout est dans la communication, c'est important. Yes. En quoi cette expérience va être unique ? Alors, c'est vraiment un séminaire unique déjà en soi parce que j'ai assumé, ça n'a pas été facile au départ, mais de ne choisir que des femmes à tous les niveaux. C'est-à-dire que déjà dans la salle, bon, ce sont des invités femmes, sur la scène, ce ne sont que des femmes. Et j'ai même été avec la DJ est une femme. Enfin voilà, à tous les niveaux, on a des femmes qui interviennent, qui vont servir les boissons. Voilà, donc on se retrouve entre femmes, l'esprit de sororité. Est très présent. Et ensuite, j'aime bien aussi l'idée de travailler sérieusement, sans se prendre au sérieux. Donc, ce n'est pas un séminaire type congrès où on va prendre des notes avec 50 diaporamas. C'est un séminaire où on va vivre des expériences. Oui, il y a des conférencières qui vont venir apporter de leur valeur et de leur savoir et de leur savoir-faire. Mais il va aussi y avoir des success stories, donc des femmes qui vont raconter leur parcours inspirant de vie, de vie entrepreneuriale. Et des expériences où on va vivre en direct des séances d'hypnose, des séances de danse expérience, une constellation systémique sur le succès et la relation à l'argent. On va faire une soirée dansante où on va se retrouver à danser en belle tenue du soir, voilà, avec des paillettes comme là, mais que entre femmes. Et ça, bah, vraiment, on n'a jamais vécu ailleurs et on s'éclate à faire ça tout ensemble et à passer un bon moment et à se créer un souvenir au-delà de repartir avec des connaissances. On repart avec un souvenir qui nous marque et qui nous transforme vraiment intérieurement. Lors de ces séminaires, tu t'es aperçu que, puisque c'est la deuxième édition, la première était à Lyon, est-ce que tu t'es aperçu que les participantes à ce séminaire étaient vraiment dans l'échange, le partage ? On en a beaucoup parlé pendant le Covid, qu'il fallait qu'on change, etc. Résultat, quand on est sorti du Covid, rien n'a changé, il faut dire la réalité comme elle est. Mais est-ce que peut-être, grâce à tes séminaires, toi, par contre, tu peux dire qu'effectivement, il y a une ouverture d'esprit ? Alors peut-être que c'est le côté femme qui fait ça ? Je ne sais pas si c'est lié aux femmes, je pense que c'est lié à la méthodologie aussi, parce que c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais il y a aussi des temps de ce que j'appelle des co-développements qui sont basés sur l'intelligence collective et l'entraide. Et donc, on va avoir des moments où on va être en petits groupes et où elles vont échanger sur leurs problématiques entrepreneuriales et elles vont s'entraider avec des principes de feedback et d'entraide, de solidarité. Moi, j'aime bien dire au début de chacun de mes séminaires, et ce sera encore le cas à ce moment-là, c'est que je viens dans ce séminaire pour avancer sur mes propres objectifs et problématiques, mais je viens aussi pour aider toutes les autres femmes présentes à avancer sur les leurs. Donc, je m'engage à aider de mon mieux toutes celles que je pourrais aider durant ces deux journées-là. Il va y avoir des temps d'échange en binôme, des temps d'échange en petits groupes. On va vraiment être dans l'échange plus des temps informels entre deux conférences, puisque j'ai même, dans le côté ludique, travailler sérieusement sans se prendre au sérieux, j'ai même organisé des jeux. Donc, il y a un bingo des rêveuses entrepreneuses pour l'accueil, pour créer du lien et aller à la rencontre d'une autre femme qui a la même activité que moi, une autre femme qui habite dans la même région que moi. Donc, ça crée du lien, ça fédère des connexions. Et il y aura aussi une chasse au trésor. Et donc, avec
avec cette chasse au trésor. Il y a des petites missions cachées derrière des QR codes qui vont être cachés un peu partout dans le séminaire. Je vous dis, on va jouer quand même, on va bien s'amuser. Et derrière ces QR codes, il y a des petites missions. Et par exemple, des fois, c'est prendre une photo avec une des bénévoles présentes pour la valoriser sur tes réseaux sociaux. Donc, c'est aller jusqu'à même mettre en valeur les intervenantes, les leaders, les bénévoles, prendre des photos aussi entre elles à plusieurs. Bref, l'idée, c'est qu'on crée du lien dans tous les sens, en fait, et à tous les niveaux. Est-ce qu'on peut dire que ce séminaire sert aussi à faire peut-être pour certaines un petit peu plus de business? Ah bien sûr, on est là aussi pour ça, parce que nous sommes des entrepreneuses, on n'est pas là que pour s'amuser, il y a quand même le travailler sérieusement avant le sans se prendre au sérieux. Et donc oui, évidemment, on va avoir à la fois des opportunités d'apprentissage en direct sur scène avec des contenus pour, par exemple, les réseaux sociaux, nos stratégies, etc. Et par exemple, il va y avoir à un moment donné une mission de créer un réel en direct et de le partager sur les réseaux. Donc ça augmente déjà une visibilité et ça va permettre de développer, comment on pourrait dire, un réseau, une communauté, donc pour pouvoir vendre à plus de monde et se faire connaître. Et ça, déjà, c'est une première étape. Et en interne, évidemment, ne serait-ce que l'année dernière, je l'ai vu, il y a beaucoup d'entrepreneuses qui se sont associées pour collaborer sur des projets communs suite à l'événement. Donc, il y a vraiment aussi des collaborations qui se créent et des clientes, certaines qui deviennent clientes d'autres, puisqu'on est très complémentaires dans nos activités, on ne fait pas du tout les mêmes choses. Donc forcément, quitte à aller employer une prestataire, autant prendre une prestataire de ce réseau-là. Et donc, si je cherche une photographe, je vais prendre la photographe que j'ai vue à ce séminaire. Si je cherche une coach, je vais prendre une coach que j'ai vue à ce séminaire. Donc, il y a eu à la fois de l'apport de clientèle, à la fois de la collaboration et une augmentation de la visibilité. Donc oui, ça fait partie des objectifs du séminaire. Alors, nous, tout le monde nous suit, hommes et femmes, mais s'il y a des femmes, parce que bon, s'il y a des hommes qui veulent venir, pop, on interdit. On vous aide, hein, les hommes, hein, mais pour une fois, entre nous. Voilà, tranquillou, ces deux jours, s'il y a des femmes qui veulent venir, comment ça se passe? Parce que tu as parlé d'un club, donc les gens, les femmes qui regardent peuvent se dire, oui, mais j'aimerais bien participer, j'aimerais bien venir, mais je ne fais pas partie du club. Tout à fait. Alors effectivement, ce séminaire est ouvert à toutes les femmes entrepreneuses. C'est pour nous l'idée aussi de faire connaître cette énergie, cet état d'esprit et à faire expérimenter. Et après, si elles le souhaitent, elles pourront rejoindre le club. Mais ce séminaire est vraiment ouvert à toutes les femmes entrepreneuses à partir du moment où elles ont ne serait-ce que l'idée de se lancer. Il y a même des femmes qui ne sont même pas encore complètement lancées, jusqu'à des femmes qui sont millionnaires, quoi. Enfin, là, on a tous les niveaux vraiment d'activité. Donc, et c'est tout le monde est la bienvenue. Et moi, c'est ça que je veux mettre en avant, c'est qu'il n'y a pas certaines femmes qui sont supérieures à d'autres. On a juste des critères différents. Certaines sont peut-être plus heureuses que d'autres. Certaines sont en meilleure santé. Certaines ont peut-être un meilleur chiffre d'affaires. C'est pas très important. Par contre, on a tout cet esprit de solidarité, d'ambition, de contribution, parce que dans Rêveuse, il y a contribuer à un monde meilleur. Et c'est tout ça qui nous réunit. Donc, si vous vous retrouvez dans tous ces éléments-là, oui, vous êtes les bienvenus, évidemment, avec grand plaisir. Et alors comment il faut qu'ils fassent? Il faut qu'ils aillent sur un site spécifique? Il faut qu'ils... Sur le site qui décrit tout le contenu du séminaire, le site du séminaire, la page de présentation même précisément, du séminaire des rêveuses entrepreneuses, on vous mettra le lien bien évidemment. Et sur cette page-là, il y a tout le détail de la logistique, du lieu, des horaires, de toutes les intervenantes, toutes les expériences. Et en bas de la page, il y a la possibilité de s'inscrire. Si on est membre du club, il y a un tarif privilégié à moins 50%. Et sinon, il y a le tarif qui est en direct, on peut le payer en une fois. Ou en quatre fois. Et moi, quelque chose qui était important aussi, c'était que ça reste un tarif accessible. Ouais. Parce que je sais que pour certaines, un séminaire comme ça, ça les fait rêver, mais elles n'ont pas les moyens souvent, parce que ce sont des budgets très élevés. Donc là, moi, j'ai essayé de faire à la fois un tarif pas très élevé. Donc là, on est à 288 € les deux journées plus la soirée, et qu'on peut payer en quatre fois pour que ça soit encore plus facile, donc 72 € par mois. Quand on est entrepreneuse, c'est un petit investissement, certes, même pour celles qui commencent, mais c'est accessible. Et pour moi, c'était important de rendre ce séminaire accessible au plus grand nombre de femmes. Bon, et ben en tout cas, on en sait un petit peu plus sur ce séminaire interdit aux hommes, les rêveuses entrepreneuses. Oui, il faut le dire, venez vivre une expérience immersive unique entre rêveuses entrepreneuses. Vous allez repartir certainement beaucoup plus riche, en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Cécile. On rappelle que le séminaire, il a lieu au Palais des Congrès de la Grande Motte le 5 et 6 de ce mois-ci. Merci beaucoup. Non, du mois de décembre, pardon. Du mois de décembre, Allez,
réserver. Et en plus, là, je vais faire un truc très simple. Ça veut dire que pour réserver, il suffit d'aller sous Google, vous tapez séminaire des rêveuses entrepreneuses et vous tombez directement sur le site parce que c'est vraiment très, très bien référencé. Un excellent marketing. Vous avez toute la programmation, bien sûr, sur le site. Merci beaucoup, Cécile. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.